Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 20 mai 2023. Il est 8h et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Mina Abed est déjà parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. C'est les esprits qui se lavent, hein, tu vois, grâce à la pluie. C'est pour ça que je perds un petit peu mes mots. Oui, surtout voilà. Les dates. Là. Voilà. Déjà le 20 mai, non, ça passe hyper vite. Déjà le 20 mai. Très, très, très vite. Puis, franchement, les pluies en ce moment... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait voilà. du bien. Je crois qu'on est en train de se régénérer. Exactement. Hein, pour faire un petit peu nos mots. Enfin, je trouve des excuses. Hein. Tu me diras de bon matin. N'est-ce pas? Mais allez, on va te pardonner pour cette fois-ci. On verra pour la prochaine fois. Elle est toujours aussi gentille, aussi généreuse. Mina, qu'est-ce que j'aurais fait oh sans là toi, là. Mina? Qu'est-ce que j'aurais fait bah, sans rien. Toi? Ben rien. Rien. Ben voilà, t'as répondu. Heureusement que t'es là. C'est pour ça que t'es là d'ailleurs. Heureusement, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que t'es là. Alors, Mina, aujourd'hui, on va beaucoup parler de production alimentaire. Alors, on va parler déjà de production de fruits et légumes. Mais ce qui serait intéressant, c'est vraiment de s'intéresser au placement des fruits et des légumes dans les marchés internationaux. Donc, histoire de retrouver un petit peu les produits made in Beladi, comme on dit si bien, les produits algériens un peu partout dans les marchés internationaux. C'est ça t'arrive? De partir en voyage et de rencontrer des produits. Non, même pas des dates. Je crois que ça m'est si. Bon, on a parlé dates. Mais sinon non, pas vraiment. Ah bah si, moi j'en ai bien pas rencontré. Beaucoup. J'en ai rencontré, je me rappelle, il y avait des gâteaux. Mais alors ils étaient excellents. Oui, bon, on parle moi, pas qui de prends pas beaucoup de gâteaux, mais ouais. J'avais pris le paquet comme ça vraiment par hasard. Après je me suis dit tiens, la provenance, les paquets de gâteaux. Un paquet de gâteaux. Bah oui, moi, un non, paquet non, de ça gâteaux. Les produits les gâteaux, les farines et moi je parle des fruits et légumes. Ah, hein. Les fruits et légumes. Voilà, bon, je parlais d'une oui. manière générale. Voilà, donc justement, on va parler déplacement des fruits et légumes algériens dans le marché international. Nous allons aussi nous intéresser à l'aquaculture, puisque nous allons parler d'élevage, de production et aussi d'exportation d'alevins, cette fois-ci. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant. Voilà, c'est intéressant. Un maître de conférence, justement, viendra nous parler des caractéristiques de l'élevage, des conditions, mais surtout les retombées d'investir donc dans de tels investissements. Et nous parlerons également de parents d'élèves, d'associations de parents d'élèves qui font un travail d'ailleurs magnifique sur terrain. Ils viennent de Tizi Ouzou. Alors, figure-toi, ils ont fait un concours de mathématiques, toi qui adores les maths. C'est bien ça. Oui, un concours. Tu aurais aimé participer, hein, Mina, concours de maths. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, j'avais des concours, mais c'était pas une matière précise. C'était plusieurs matières, c'était entre les écoles. Je sais pas si inter-école. Exactement. Je me rappelle de voilà. ça. C'est vrai que ça existait d'abord interclasse. Déjà, il y ça avait commençait. Pas, non, je crois que c'est non, c'était pas interclasse. On prenait les meilleurs de chaque classe, d'accord. On formait un groupe. En fait, on formait un groupe et voilà. Et c'était un concours entre plusieurs. Voilà, c'était écoles. Sur plusieurs matières, mathématiques, plusieurs histoire, matières, géo, exactement. Culture et culture générale aussi. Voilà, oui. Voilà. J'avais participé à ce genre de concours, mais nous, c'était plutôt interclasse au départ. Oui. Ensuite, c'était inter-école. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est une association qui a organisé un concours de mathématiques et la cérémonie aura lieu le 1er juin, donc à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Ils viendront nous parler donc du déroulement du concours et surtout les prochains lauréats. Donc, comment va être un petit peu l'accompagnement, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Exactement. Par la suite, c'est vraiment ce qui va venir après voilà. le concours, effectivement. C'est vrai. Et demain, le 21 mai, nous allons commémorer une date assez triste hein, dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire géologique aussi de l'Algérie, parce que rappelez-vous, 20 ans en arrière, le 21 mai 2003, donc il y a eu le séisme au niveau de Boumerdès. Alors, vrai est-il que le séisme, parfois, on n'est pas toujours très préparé hein, aux catastrophes naturelles. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Non. Et on n'est jamais assez préparé. Hein. On n'est jamais assez préparé. Moi, quand c'est arrivé, je savais même. Enfin, tu étais en quelle classe? J'étais en terminale. Ah, en terminale, quand même. J'étais et ça va sur le plan psychologique? Ça va. Ça va. Alhamdoulilah, non, ça va. On a pu. Ça va. J'étais. Je pense que c'est plus difficile pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes ouais. et ceux qui étaient sur qui place. Étaient exactement, voilà, ceux qui étaient vraiment sur place, ça a été difficile. Voilà, pour donc eux. Effectivement, on n'est pas toujours très très bien préparé parce que ça vient par surprise. Et justement, le CRAG, à l'occasion de ce 20e anniversaire donc du séisme du 21 mai de Boumerdès, le CRAG, demain, Inch'Allah, ils vont organiser des portes ouvertes afin d'informer, de sensibiliser par rapport donc, aux catastrophes naturelles, particulièrement aussi. Mais ça va se faire au profit des écoliers,
Donc, c'est très intéressant. Il va y avoir des ateliers, des conférences. Donc, même les parents pourront aussi accompagner leurs parents et profiter donc de cet événement. Et c'est notre ami Ahmed Grega Hassan qui va nous en parler. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui l'a programmé pour nous. Mais sinon, j'imagine que les pluies vont continuer pour aujourd'hui. Ça va continuer. Ça va continuer. Quelle belle nouvelle. Quelle belle Amal nouvelle. Amal Almi, grosse pensée à toi. Allez, plus de détails juste après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معن نصنع المستقبل. Et voilà, nous restons quand même avec une carte météorologique plutôt généreuse. Très généreuse. Et plein, toute jolie, j'ai envie de le dire. Plein de petits traits là. Voilà, plein de. Franchement, mais vraiment, est-ce que quelqu'un pourrait appeler Amal Aribi et nous dire qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment, comment elle est en c'est train de vivre ces journées en ce moment. C'est le bonheur, j'imagine. Voilà. Ah, j'imagine si c'était elle qui avait présenté la météo aujourd'hui. Alors il dit aujourd'hui il fait très beau. Très beau. Sortez, profitez. Voilà, bah, il faut sortir. Hein, c'est ce qu'on dit. Hein, il y a un adage qui dit les pluies lavent les esprits. Oui, en plus, il fait pas trop froid. Oui. Donc, il fait très agréable. Voilà, très très agréable. Exactement. Effectivement, des températures très très agréables. Une petite balade sous la pluie, pourquoi pas? Tiens. Pourquoi pas? Oui. Un peu plus de détails, Mina? Oui. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très bon réveil. Un petit peu de brume ce matin vers l'intérieur ouest avec un ciel plutôt nuageux. Possibilité de quelques faibles pluies vers les côtes ouest. On notera une amélioration à partir de l'après-midi. En revanche, sur le centre et l'est du pays, on notera toujours des passages nuageux assez denses avec des pluies parfois assez marquées, notamment à l'est d'Alger ainsi que vers l'extrême est. Des pluies accompagnées d'orages sur la partie sud. Un ciel dégagé un peu nuageux sur le nord Sahara, voilé vers l'extrême sud de l'Ogar et le Tassili et puis passagèrement nuageux sur les oasis. Les températures de cet après-midi, on montera sur la moitié nord 20 degrés à Alger, 24 degrés du côté 21 degrés à Oran, on montera 21 également du côté de Annaba, 17 degrés à Constantine, on montera 22 degrés à Rardaya, 25 à Béchar, 32 degrés à Tindouf, 33 degrés à Adra, 32 à Insalah. Et enfin, la maximale atteindra les 42 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée à l'ouest et au centre, agitée vers les côtes est avec des vents entre 10 et 25 km/h à l'ouest du pays, entre 20 et 40 km/h sur le centre. Et enfin, entre 30 et 50 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Eh bien, beaucoup de pluie à Montréal, New York, Mexico, un ciel voilé à Vancouver ainsi qu'en Californie, Dallas. Côté température, on notera 30 degrés à Miami, 21 degrés à Montréal, 26 à Mexico, 27 à Dallas et enfin 19 degrés à New York. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure, midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معن نصنع المستقبل. Et voilà, donc on notera, Mina, un temps plutôt agréable hein, sur le plan de température. Agréable. Exactement. Voilà, plutôt agréable. Oui, oui, oui. Donc c'est pas la peine de faire sortir les doudounes. Les quoi? Les doudounes. Non, c'est révolu, ça. Non. Ça fera effet sauna, donc voilà. Exactement. Je déconseille. Ce sera pour l'hiver prochain. Inch'Allah, oui. Voilà, donc il faut dire que quand même, on est bien gâté. Hein, on est bien gâté par la pluie en ce moment. Ces jours-ci, pourvu que ça continue encore quelques jours. Normalement, ça va encore continuer. Inch'Allah, c'est la bonne nouvelle. On l'espère. C'est la bonne nouvelle. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal qui faisait du midi. Avec plaisir, oui. Après ce. Alors, on vient de me dire que Amal Aribi est ravie. Donc, certainement, Amal Almi a dû l'appeler. Voilà. Alors, un grand coucou à toi, Amal Aribi, si tu nous vois. Un grand coucou à Amal Aribi, voilà. Alors, paraît-il qu'elle a ouvert grand sa fenêtre, elle est en train de faire son ménage. Ben voilà. Ça, c'est Amal Aribi. En tout cas, grand coucou à toi, Amal, si tu nous regardes. Et puis, profite de la pluie, toi qui adore. Profite de la pluie, sors, Amal, sors. Voilà, elle va faire terminer son ménage et elle va sortir, ça, c'est sûr. En tout cas, Mina, merci beaucoup. Oui. On se retrouve tout à l'heure, après j'en ai télévisé du midi, avec plaisir. 19h. À 9h30, pour un petit point, termine pas tout. Hein. Voilà, alors on continue. Voilà, comment faire perdre le sourire à quelqu'un? Mais c'est incroyable. Je fais mal, Louisa. Allez, à tout à l'heure, Mina. Allez, pause musicale, ce sera en compagnie de Hamid Baroudi. Anna Amri Maak, on se retrouve juste après.
مجرحين عمري يا ربي حسن عوني غرم الداني وشغل بالي فيني أنا Et de retour sur le plateau, c'était donc Hamid Baroudi. Et à présent, nous recevons notre ami Ahmed Gregassel. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum, arbi nourkoum, inshallah. Laïs el-mek, ça va? Ça va, ça se prépare pour demain? Oui, beaucoup ça se prépare, travail. beaucoup de travail. Parce voilà. que c'est, si on savait. Oui, si mais on ça savait. Vaut la peine, bien sûr. Voilà, ça vaut la peine. Donc, c'est un mois de préparatif. Donc, et encore, donc, l'idée a germé, ça fait longtemps. Donc on a... Parce que, bon, c'est très important. C'est l'une des missions, de nos missions, oui. c'est d'inculquer la culture scientifique à la société. Bien sûr, c'est notre tâche. Donc, demain, comme tout le monde le sait, c'est le 20e mai, c'est oui. le 2023. Donc, 20e mai 2003, ça fait déjà 20 ans. Qui sont passés depuis le séisme de Boumerdès. Donc, bien sûr, ça rappelle de mauvais souvenirs. C'est vrai que c'est une triste ouais, célébration. Voilà, exactement. Maintenant, déjà, ceux qui l'ont vécu, ils doivent avoir la trentaine. Ceux qui s'en rappellent, déjà, ils sont entre 28 et 30 ans. Oui. Donc, les plus vieux se souviennent un peu du séisme de Schlüff de 80. C'est vrai. Ceux qui sont encore plus vieux se souviennent peut-être de 1954. Et donc, les séismes sont là, donc on vit avec. Les séismes sont là, exactement. Les séismes sont là d'ailleurs depuis la création de la Terre, ils ont exactement, toujours accompagné exactement. Ça fait partie de la vie de la Terre. C'est cyclique. Exactement. C'est cyclique, ça fait partie de la Terre. Alors, oui,
Alors justement, Ahmed, demain, Inch'Allah, il va y avoir des portes ouvertes. Donc, c'est vraiment un événement d'information, de sensibilisation, justement d'inculquer toute cette culture scientifique à la population. Alors, avant de parler un petit peu de ces portes ouvertes, on va revenir un petit peu sur le séisme en tant que phénomène naturel. Exactement. Enfin, il faut dire que je ne suis ni sismologue ni géophysicien. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu terre à terre. Il y avait les anciennes théories, donc même les vieux chez nous se parlaient, c'était les gaz ou la vapeur qui était à l'intérieur, qui voulait sortir, donc qui faisait trembler la terre. Mais maintenant, c'est connu, c'est pas ça. C'est plutôt les plaques tectoniques, donc c'est les grandes plaques des grands continents, pas les continents tels qu'on les connaît maintenant avec leur nom, mais les continents qui constituent des plaques, qui sont en mouvement. Et donc, il y a des points de rencontre dans ces points de rencontre, il y a le mouvement qui fait qu'il y ait une pression et donc il y a génération d'énergie. Cette énergie, elle est emmagasinée à un certain moment, puis elle est libérée. Quand elle est libérée, donc ça casse un peu et ça provoque des séismes. Alors la question qui se pose, parce que là on le voit sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de ce genre d'informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut savoir ou est-ce qu'on peut prévenir un séisme? Est-ce qu'on peut se dire qu'à telle période ou à tel jour, on va avoir un séisme? Jusqu'à présent, il n'y a pas de théorie qui dise ça, qui permette ça. Donc, les gens travaillent dessus, ça fait longtemps. Mais ce qu'on sait, on sait qu'il y a des régions où il y a eu des séismes et on sait qu'il y aura des séismes parce qu'on parle de failles, parce que c'est là où il y a les points de rencontre, c'est là où il y a les ruptures. Donc, c'est là où on s'attend à ce qu'il y ait un séisme. Et tout dépend de l'activité locale. Par exemple, il y a certains pays qui sont plus actifs point de vue sismologique que d'autres. On connaît le Japon, la Grèce, la frontière turco-syrienne. Par contre, chez nous, on est classé comme ayant une activité sismique modérée, moyenne, modérée à moyenne. Donc, il y a d'autres pays qui n'ont pas d'activité sismique pratiquement parce qu'elle est très modérée. Quand on est à l'intérieur des continents, c'est quand on a des frontières avec les autres continents où là, on est susceptible d'avoir plus d'activité. Par exemple, il y a d'autres séismes qui sont liés aussi à l'activité volcanique. Donc, mais c'est des séismes qu'on ressent aussi avant les volcans. Donc, ce qu'on sait, par exemple, que si tel pays a vécu, est en train de vivre, il vivra aussi des séismes. Donc, les gens doivent apprendre à vivre avec le séisme. Les États doivent adopter une réglementation propre au séisme. Donc, c'est tout à fait normal. Et il ne faut pas qu'il y ait de relâchement. Oui. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'au bout de 20, 30 ans, il n'y a pas d'activité, on se dit que c'est bon, c'est terminé. Là, on voit, par exemple, ça, c'est la carte d'Alger au début du XVIIIe siècle. C'est une représentation européenne, c'est une peinture. Donc, on n'est pas sûr, on est certain que ce n'était pas comme ça, en fait. Mais c'est juste pour rappeler le séisme de 1716. Oui. Donc, on sait qu'à Alger, il y a eu un séisme dramatique en 1716. Donc, il a eu des dégâts très forts. Et depuis, il y a eu un autre qu'on connaît historiquement, c'est celui de 1365. Il y a eu même un effet de raz-de-marée, donc il a été enregistré. C'est pour ça qu'on revient aussi, on essaie d'établir ce qu'on appelle les catalogues de séismes historiques. Oui. Parce qu'à travers ces catalogues, on sait qu'il y a eu des séismes, donc on repère les places, les emplacements où il y a eu des séismes. Ça, c'est une photo du séisme de Blida en 1867. On voit d'après la photo, il était très fort et assez important, on voit les dégâts. Et juste avant, en 1825, Blida a été pratiquement rasé par un séisme, celui de mars 1825, qui est très connu aussi. Ça, c'est la place centrale de Blida, c'est après le séisme où tout le monde est venu vivre au centre de la ville. C'est ce qui se passe généralement. Exactement. L'une des recommandations, c'est vraiment de se regrouper. Voilà, de sortir, genre de se regrouper, de se mettre. Ça, c'est aussi une représentation de la région de la Mitidja. Donc, suite à un séisme. Tout ça, c'est des croquis, c'est des dessins de l'époque parce qu'il n'y avait pas de photos. Il y a aussi le séisme de Gijel. Ça, c'est Gijel. C'est au 19e siècle aussi, 1856 ou 58, je ne me rappelle plus. Donc, c'est au milieu. Donc, il y a une autre photo aussi de Gijel où on a deux
deux images, deux photos. Voilà, c'est ça. On a deux représentations. En haut, c'est avant et en bas, c'est juste Oui, après. après. Là, on voit la On différence voit parce la que on différence, voit on la voit vraiment un différence. changement Et sur le une partie de la plan ville a été urbain. engloutie aussi par la mer. Donc, une partie de Djidjel a été engloutie par la mer. Et on sait que dans les zones côtières, il y a eu beaucoup d'effets de raz-de-marée. Il y a même des villes qui ont été ensevelies. Par exemple, elles coulent. C'est des villes, c'est l'effet du séisme. Il y a beaucoup de séismes. Et puis là, par exemple, c'est un manuscrit où on voit, par exemple, un témoignage sur le séisme de Doron de 1790. Donc, في يوم الاثنين أول يوم من شهر صفر المذكور جاءت البشارة لسيدنا الأمين منصور بعون من بيده مقاليد الأمور بأن مدينة وهران قد زلزلت أركانها. Parce qu'elle était en plein siège. Donc, pour eux qui aient eu le séisme, c'est une salvation. Donc, ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Parce que, et c'est ce qui s'est passé parce que les Espagnols se sont rendus, parce que la ville a été complètement réduite à presque à néant. Ça, c'est un autre manuscrit qui parle d'un autre séisme. C'est le séisme de la région de Chalata. Donc, toujours 1765. Et donc des fois on lit tout un manuscrit de 300, 400 pages pour glaner une Une information, information, et des effectivement. fois on ne glane rien. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait. Donc en termes d'établissement de ces catalogues historiques, c'est très important de fouiner, donc de chercher. Et des fois on a des informations. Par exemple, je viens de découvrir à travers un ami sur Facebook, il a publié une information qu'il a trouvée dans un journal. C'est un imam qui avait un journal et il mettait les faits les plus importants qu'il vivait. Donc là, il parle d'un séisme à Abu Saada en 1885. Abu Alors qu'il Saada, est c'est quand même une région qui n'est pas très connue par Oui, le. Voilà, qui n'est pas réputée par les séismes. mais il parle du ressenti. Donc, s'il y a eu un séisme à Msi, là, à côté, ou je ne sais pas, dans le tel, donc ils peuvent l'avoir ressenti chez eux. Et c'est important parce que ça nous permet aussi d'établir ce qu'ils appellent les sismologues, les zones d'intensité. Donc, c'est là où les séismes ont été. Et à travers ces zones d'intensité, on peut essayer d'identifier ou de se rapprocher du point focal là où le séisme L'épicentre. a l'épicentre exactement, là où le séisme est arrivé, et ça nous permet de localiser mieux. Donc toute information est importante. Donc notre pays est un pays, on a dit, sismique. Donc il y a eu le séisme 1360. Il y a eu aussi d'autres séismes plus loin, donc pendant l'époque antique. Donc il y a eu même le séisme, un séisme massif, un séisme qui ont été enregistrés. En général, donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, par exemple, si on compare Alger aux autres villes d'Algérie, on trouve beaucoup de séismes à Alger historique. Mais ce n'est pas parce que Alger a été plus sujette. Non, c'est parce que les historiens s'occupent plus des capitales que des autres Des régions. grandes villes, Donc on a plus effectivement, oui. d'informations sur les grandes villes que sur les villages ou les villes, les autres villes. Donc on a eu 1365 à Alger, 1716, on a eu Blida 1825. Et puis au début du siècle, donc on a eu 1922 à Alger, 25, Encore une fois, et puis Blida. encore Chleuf, encore une fois Blida exactement. Donc il y a eu beaucoup à Mouzaïa, il y a eu beaucoup de séismes. C'est pour ça, donc juste pour, c'est pas pour effrayer les gens, loin de nous, c'est pas l'idée, mais c'est de rappeler que le phénomène sismique est avec nous, il est là, on doit vivre Et avec. c'est un phénomène Et c'est naturel. exactement. Il faut pas se relâcher, il faut jamais oublier. Donc, en termes de réglementation, il faut l'appliquer, il faut donc bien construire, penser à tout ce qui vient avec la gestion des catastrophes, les issues, les plans d'urbanisation. Il faut qu'ils Voilà, soient donc bien là réfléchis. vraiment, on se concentre plus sur les plans d'urbanisation, sur la construction, Exactement. parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts Exactement. finalement. C'est ce qu'on a Exactement. vu d'ailleurs à Exactement. Boumerdès. Exactement. Exactement. Et puis, et le respect, même les gens qui construisent pour eux-mêmes doivent vraiment respecter la réglementation. Donc maintenant, la réglementation a changé depuis le séisme de Boumerdès. Donc, il y a un classement des zones sujettes au séisme. Donc, c'est des zones
Donc, il faut vraiment revoir et respecter surtout. Donc, c'est pour ça. Et il faut que les gens aussi, les petits, soient. Il faut leur inculquer la culture. Il ne faut pas attendre que le choc vienne avec un séisme. Oui. Donc, justement, demain, Inch'Allah, aux portes ouvertes, on aura le camion de simulation. Donc, la protection civile va ramener le camion de simulation des séismes. Donc, les gens vont voir, in situ, une simulation d'un séisme. Donc, ils vont le voir. Il y aura aussi une ambulance, des premiers secours. Il y aura un planétarium, il y aura plein de télescopes, donc il y a plein d'activités qui vont se faire. Donc là, on voit l'affiche des portes ouvertes du CRAC. Donc ils ont fait un appel aux parents surtout d'essayer de ramener leurs enfants. L'activité va commencer à partir de 13h30. Donc on va essayer de rappeler, donc d'enseigner, de montrer la culture, donc ce qu'il y a comme mission au CRAC, ce qu'on fait comme type de recherche, mais aussi donc ce qu'on doit à la société. On va essayer de rendre un petit peu de ce qui nous a été donné à la population, aux jeunes surtout et aux enfants. Donc et on fait un appel aux parents de ramener leurs enfants, aux écoles aussi. Aux écoles, pourquoi pas. Bien sûr, c'est une période d'examen, mais on n'a pas choisi la date, c'est le 21. Oui. Donc c'est la date qui s'est imposée D'ailleurs, à nous. D'ailleurs, même à l'époque, nous étions en plein examen. Exactement. Donc, exactement, 2003. Moi, je n'étais pas ici, donc c'était encore plus dur. Moi, j'étais en examen, je me rappelle très très bien, ce jour-là, on avait un examen de presse écrite. Ah, très C'était les techniques de rédaction en presse écrite. Je me rappelle très très bien de ce jour-là, effectivement. Moi, je n'étais pas là, donc j'ai eu une information le soir à 9h, donc je l'ai écouté à la radio. Oui. Et j'ai essayé de... Donc, j'ai appelé, premier coup, donc j'ai eu la réponse. On m'a dit que oui, à Alger, ça va plus ou moins. Apparemment, c'était à Boumerdès, on m'a dit. Oui. Mais à la deuxième réplique, quand j'ai essayé de rappeler, il n'y avait plus de téléphone. Et là, donc, c'était dur. Mais c'était dur, hein. C'était très dur. Les télécommunications, à ce moment-là, c'était très dur. Donc, j'étais accroché à la radio pratiquement 24/24. Donc, à chaque fois qu'il y avait une petite possibilité d'appeler, j'appelais pour avoir... Mais il y avait toujours, juste après, des répliques. Oui. Et c'est une souffrance. L'airham limato, et on espère longue vie à ceux qui sont encore en vie. Nous en avons beaucoup perdu. Et il faut vivre avec, il faut juste... Donc, et justement, c'est pour ça qu'on organise ces portes ouvertes, c'est pour essayer d'inculquer cette culture scientifique et la sensibilisation et le risque sismique qu'on doit vivre avec et on doit le gérer, tout simplement. Effectivement. Donc, justement, Ahmed, c'est vraiment une journée là où on va un petit peu vulgariser, là où Exactement. On va un petit peu rassurer surtout la population, la société, de la normalité du phénomène, parce que ça reste un phénomène naturel. Mais maintenant, ce qui est important, c'est ce que tu essaies d'insister depuis tout à l'heure, ce qui est important, c'est de ne pas se relâcher, c'est d'être toujours vigilant Exactement. Et de s'y attendre à tout moment. Donc, c'est vrai qu'entre un d'être séisme prêt. Et séisme, c'est en 20-30 ans. D'avoir les bons réflexes au moment du séisme. Donc, on va enseigner tout ça. Oui, je me rappelle à l'école, c'était au collège, on nous faisait ce genre de simulation. Ah. Donc, si jamais il y a un séisme, qu'il faut faire, comment se mettre sous la table, comment ne pas se bousculer. Exactement. Donc, ce serait bien aussi de ne pas s'affoler, ne pas céder à la panique. Parce qu'on voit maintenant des pays qui sont comme surtout le Japon, ils arrivent à avoir des séismes de 6, de magnitude 6, avec zéro victime. Oui. Donc, c'est vraiment l'exemple à suivre. Donc, si on arrive à avoir des séismes à 6 et plus avec zéro victime humaine, c'est ça le plus important, c'est préserver la vie des gens. C'est l'objectif, parce que de toute façon, on ne peut pas prévenir. C'est ce qu'on veut avec la sensibilisation. Une fois que le bâti soit bien fait et que la personne soit bien bâtie aussi, donc on a les bons réflexes, on a la bonne culture, donc on va éviter de... Parce qu'il y a même des victimes qui ne sont pas victimes du séisme. On sait que, par exemple, il y a des gens qui sortent du balcon, il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui sortent, donc qui prennent une voiture. Il y a des accidents comme ça. Il y a des gens qui cèdent à la panique, qui s'affolent. Donc, et c'est des victimes, pas du séisme directement, mais c'est des victimes en conséquence d'un séisme. C'est pour ça qu'il faut avoir la bonne culture. Et dès qu'on est enfant, donc parce qu'on continue, on grandit avec et on apprend. Donc, et de plus, on lit avec l'âge. Donc, et on comprend ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que c'est la première fois qu'on organise des portes ouvertes au CRAC. Donc, on espère tout le succès à ces portes ouvertes. C'est une expérience. Donc, et on invite les gens à venir parce que donc, c'est ouvert, donc c'est public. Il faut que les gens viennent tout simplement. Ni inscription, ni autorisation, ni invitation. C'est ouvert. C'est ouvert, donc c'est ça le but. Le CRAC, c'est...
un peu plus haut que le village céleste, Hayl Amal, donc à Bouzerréa. Donc il faut que les gens viennent. Marhaba bihom. Inch'Allah. On est à leur service. Rendez-vous pris demain au niveau du CRAG à partir de 13h30. 13h30, exactement. À partir de 13h30. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Très beau succès, Inch'Allah, pour la journée demain, pour cette initiative. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais sinon, un événement qui se prépare durant la semaine. On est concentré sur demain. Il y a un autre événement le jeudi, donc c'est à Mascara. Donc on va faire une journée consacrée, c'est le 140e anniversaire de l'Amir Abdel Qader, du décès de l'Amir. Donc on va en reparler, mais ça viendra après, Inch'Allah. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, encore une fois, bon succès pour demain. On continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'INA, l'Institut National d'Agriculture. Là, Omri Moussaïd s'est rendu pour nous faire découvrir les arbres centenaires de cet institut. On se retrouve juste après. L'École nationale supérieure agronomique est un véritable sanctuaire pour des arbres centenaires et exotiques. Les étudiants de l'école côtoient et profitent de la ramure et l'ombrage de ces spécimens. Certains de ces arbres se tiennent fièrement malgré les années qui pèsent sur leurs branches. Le docteur Boucher Brahim nous fait découvrir avec passion l'histoire et l'origine de certains de ces arbres. Parler des jardins botaniques, ici même à Alger, nous avons trois jardins botaniques, le jardin botanique ici même de l'École nationale supérieure agronomique, le jardin botanique d'Ezé, jardin du Hama, et aussi le jardin botanique de la faculté centrale d'Alger. Auparavant aussi, par exemple, pour chaque jardin, il y avait des spécificités à mettre en place, des choix à accomplir. Le choix qui a été mis en place à l'École nationale supérieure agronomie, c'est de faire adapter certaines variétés, certaines espèces d'agrumes, certaines espèces productives d'arboriculture, mais aussi certaines espèces sylvicoles, des espèces productives, notamment certains chênes. Au niveau de l'école, au niveau de son carré botanique, nous avons une allée de chêne liège, qui est une espèce particulièrement méditerranéenne, une espèce algérienne qui existe dans 8 pays du monde entier. Vous connaissez un peu les vertus, vous voyez un peu ce sujet qui est majestueux, qui a un diamètre d'environ 80 à 90 cm. C'est un arbre qui est utilisable aujourd'hui pour la récolte de liège en Algérie. Et nous arrivons quand même à avoir ce genre de collection encore chez nous pour mieux expliquer aux étudiants un peu l'importance de ces essences naturelles qui poussent chez nous et qui ont une plus-value économique certaine, notamment le liège. On peut par exemple prendre l'exemple des allées des Washingtonia qui a été mise en place au même titre que l'allée des Washingtonia au jardin d'essai. Vous avez donc des sujets qui sont centenaires, comme ceux aussi du jardin d'essai. Vous avez les deux espèces qui sont la Washingtonia filifera qui a un tronc relativement plus large que l'espèce robusta, encore plus bas. C'est une allée qui fait environ 500 mètres et vous pouvez voir un peu la beauté de mettre en place l'alignement, voilà, respectant un peu le style des jardins français. Hein. Nous sommes aussi face à une autre espèce qui est le frêne excelsior. C'est une espèce aussi qui a été introduite dans certaines villes algériennes. Nous avons aussi un spécimen qui a facilement 100 ans, qui est centenaire aussi. Vous pouvez voir aussi la beauté de cet arbre qui donne de l'ombre. L'espèce est très utilisable, très convoitée pour son bois, qui reste un excellent bois. Et c'est une espèce aussi à promouvoir chez nous. C'est-à-dire même si on veut introduire aujourd'hui certaines espèces, nous pouvons faire des choix, de choisir certaines espèces qui ont déjà montré leur adaptation au biotope et au climat de notre région écologique, et ainsi pouvoir les mettre en place dans l'arboriculture. Toujours dans la même thématique de parler d'arbres centenaires, notamment les espèces autochtones et natives de chez nous, nous pouvons voir derrière moi les deux individus de l'espèce du pin pignon. Vous pouvez voir quand même que ce sont des arbres qui sont immenses, qui ont une circonférence très intéressante aussi. C'est un arbre qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui l'épine, très recherchée cette espèce pour ses fruits qui sont très comestibles et qui sont aujourd'hui très convoités dans le monde entier par rapport au prix. C'est ce que nous envisageons faire aussi dans le barrage vert. C'est une espèce aussi qui donne beaucoup de réflexions aujourd'hui dans le développement de l'arbre et son utilité pour la société rurale et la société et le domaine secteur socio-économique. En plus des espèces autochtones natives d'Algérie, nous avons aussi même à l'école certaines espèces qui sont exotiques, comme à l'exemple de Dracaena draco, l'arbre au son du dragon. Cette collection existe en allée dans le jardin botanique d'Alger, d'Al Hamma.
Et nous avons aussi deux spécimens parallèles en symétrie, deux spécimens symétriques qui sont ici même à l'école. L'espèce aujourd'hui retrouve une difficulté à se multiplier dans son aire naturelle, les îles Canaries. Et vous pouvez voir, constater de vos propres yeux que l'espèce est parfaitement adaptée. C'est aussi une espèce de collection qui a été introduite au même titre que toutes les autres espèces exotiques qui ornent cette école. L'histoire des végétaux est un monde sans fin qui nous surprendra toujours. Et nous apprenons à quel point ces êtres vivants peuvent être forts et fragiles à la fois, ainsi que la lourde responsabilité qu'a l'humanité dans la sauvegarde et la protection de la vie sur Terre. Les arbres centenaires de l'école supérieure d'agronomie. Je suis désolée hein, pour l'appellation de tout à l'heure. Apparemment, je n'ai pas actualisé mes informations, mais ça reste quand même l'école supérieure d'agronomie. C'est Mélie Moussaïd qui s'était rendue pour nous faire découvrir les arbres centenaires de cette école. Et cette fois-ci, nous allons parler des fruits et légumes, mais surtout leur placement dans le marché international. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, M. Tofiq Hadkhail. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bek. Vous êtes le président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Oui, tout à fait. Voilà, alors on va commencer par le cluster, donc sa création, ses objectifs. Bon, elle date maintenant de 7 ans. On a vu en fin de compte lorsque je monte souvent à l'étranger et lorsque j'ai gambadé à travers les marchés parisiens, les marchés de France, d'Italie, tout ça, et d'Angleterre, j'ai vu qu'il n'y avait pas de produits algériens. Donc je me suis lancé comme challenge de lancer l'exportation des fruits et légumes en Algérie. Donc c'était pas quelque chose de facile, mais c'était quelque chose de réaliste et de faisable comme toute nouvelle aventure. Donc on s'est lancé petit à petit et au début on nous disait pourquoi est-ce qu'on exporte, on n'exporte rien. Ils ne savaient même pas faire la différence en fin de compte entre l'export et l'import parce que en tant qu'Algérien, c'était exporter n'existait pas. C'était plutôt on faisait de l'import. Quoi. Maintenant, la majeure partie des personnes, en fin de compte, le commun des mortels, différencie totalement entre l'import et l'export. Et maintenant, en fin de compte, tout le monde veut exporter. Et tout le monde cherche à exporter. Et c'est de bonne grâce et c'est une excellente chose. Et on doit continuer à promouvoir l'exportation parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui vit uniquement de l'import ou de l'export d'une... Tout le monde, il y a des pays qui font 1 milliard de dollars en termes d'exportation de fruits et légumes et il y en a d'autres qui font 300 milliards de dollars. Bon, certes, les résultats ne sont pas... à la hauteur de nos ambitions, mais j'ose espérer que dans 5 ans, le challenge sera pleinement réussi, sera pleinement gagné. Voilà donc c'est vraiment l'objectif à atteindre, mais sinon, bien entendu, si on investit le monde de l'export, et puis c'est tout récent, donc d'autant plus que dans le cadre du cluster, donc vous dites que ça fait à peine 7 ans, donc si on investit le monde de l'export, bien entendu, il y a des normes, il y a une réglementation à laquelle il faut se plier. Bien sûr, quand on regarde par exemple, c'est pour ça qu'il faut, il faut opter pour une agriculture contractuelle. Quand je dis agriculture contractuelle, c'est-à-dire que lorsqu'on exporte des produits vers l'Asie, ce ne sont pas les mêmes normes que l'Europe, ou ce ne sont pas les mêmes normes que l'Afrique, ou ce ne sont pas les mêmes normes que la Russie ou les États-Unis. Pourquoi ? Parce que chaque pays a ses restrictions. L'Algérie aussi elle a ses propres normes que l'on doit respecter. Donc, et un exportateur, c'est quelqu'un qui connaît le marché local et quelqu'un qui sait... qui connaît la réglementation à l'étranger. Et ça, c'est une... ça permet en fin de compte de faire bouger ses méninges et de s'adapter à chaque pays, à chaque réglementation et de préparer le dossier. Parce que vous savez, quand on importe, on va aller... vous n'avez pas besoin de convaincre le client. Vous n'avez pas besoin de convaincre votre acheteur, vous allez acheter votre marchandise. Alors que lorsque vous exportez, vous essayez de convaincre votre acheteur que votre produit est le meilleur. Voilà, et c'est en ça que c'est challengeant. Parce que quand vous dites que j'ai un produit, il vous dit mais tout le monde a le même produit. Mais quand vous lui donnez ce produit-là et qu'il le goûte, croyez-moi, ça fait la différence. Et j'ai une certaine fierté à pouvoir proposer le produit algérien à l'étranger parce que...
je n'ai pas rougir de nos produits. Mm-hmm. Voilà. Et on a une certaine précocité de nos produits, on a une certaine qualité de produits. Et d'ailleurs, sur le plan agricole, l'Algérie fait 17% du PIB en termes sur le plan agricole, ce qui correspond à 35 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Et on est uniquement on n'est pas à 100% de nos capacités. Mm-hmm. Voilà, parce que l'agriculture algérienne, c'est une agriculture qui est traditionnelle. 80% des agriculteurs ont moins de 7 hectares. Et donc, on a tendance à utiliser beaucoup plus de l'engrais biologique. Mm-hmm. Que des produits, des intrants agricoles. Et c'est ce qui détermine en fin de compte la qualité c'est de nos produits. C'est ce qui détermine produits. La qualité, bien sûr, la qualité. Là, on a une très belle image hein, de nos voilà, dates voilà. D'ailleurs. C'est ce qui détermine, c'est vraiment cette agriculture traditionnelle. Mais sinon, Monsieur Hadkhil, justement, par rapport... Donc là, vous nous parlez un petit peu de la production agricole en Algérie d'une manière générale, mais qu'en est-il de la production qui est destinée à l'exportation? La production qui est destinée à l'exportation, ben, on a des conventions avec certains agriculteurs et qui produisent à la demande, en fonction de la demande du client à l'étranger. Comme nous, au niveau du cluster, ce que l'on fait, on travaille pas au jour le jour, on travaille avec des saisons, une saison à l'avance. Par exemple, là, actuellement, je suis en train de préparer la saison hivernale. Donc, je vais récupérer les commandes, et par rapport à ces commandes-là, on va produire tant de qualité, de par exemple tomates, melons, je sais pas, en fin de compte tout un tas de produits. L'hiver en général ce sont des produits maraîchers et l'été ce sont des fruits à l'image des pastèques et des melons et là bientôt vont arriver les pêches, les nectarines et les abricots. Donc il va falloir prévoir tous ces produits-là. Il faut savoir que dans certains pays, on a un avantage, c'est qu'au mois de décembre, il fait 20 degrés en Algérie. C'est une aubaine. Et cet avantage-là, il faut l'exploiter parce que quand il fait 20 degrés chez nous, chez les autres, il fait moins 65, moins 60, à l'image de ce qui se fait de ce qui existe en Russie ou bien en Europe où il fait ça navigue plus autour des moins 5, moins 6 que des 20 degrés. Donc on a une certaine précocité et on a 300 jours d'ensoleillement par an et ça c'est pas négligeable et il faut profiter de tout ça au maximum. Alors justement, profiter de tout cela au maximum. Nous avons un reportage de Amal Bouakba, pardon. Elle qui s'est intéressée justement à l'exportation des dattes. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Réputée pour sa qualité exceptionnelle, que l'on ne trouve nulle part ailleurs, la datte algérienne se décline en 360 variétés. La plus célèbre est l'incontournable, unique au monde, de Glitnor. Indétrônable sur les marchés internationaux, sa renommée mondiale n'est plus à faire. Nous espérons arrivé à 150 pays, où nous sommes actuellement à 75 pays, nous exportons vers 75 pays. Et donc c'est un challenge pour nous, hein, c'est une date de bonne qualité. Nous nous battons et on s'est battu pour l'avoir avoir le label Algérie. Hein, il n'y a pas de doute, c'est une date qui est demandée partout. Et nous espérons arriver à nos objectifs. Nous explorons pratiquement tous les marchés. Il y a beaucoup de demandes, y compris de l'Asie, le Pakistan, l'Indonésie. Et le marché russe est un marché potentiel pour nous. Véritable fer de lance des exportations agroalimentaires, la datte algérienne continue de s'imposer sur les marchés internationaux. Nous avons enregistré un chiffre de plus de 1,2 million de tonnes. Le pic c'était en 2021. Nous avons déjà exporté 80 millions de tonnes. Et en prévision d'exportation fin 2023 et fin 2024, espérons de doubler ce chiffre vers une quantité de 200 000 tonnes par an. La première destination des têtes algériennes, c'est la France. Les autres pays qui arrivent après la France, c'est l'Allemagne, quelques pays arabes, les pays asiatiques, la Malaisie, l'Indonésie, et même déjà les dattes algériennes déjà exportées vers l'Australie. Et afin de promouvoir l'exportation de dattes, plusieurs facilitations administratives sont mises en place, dont notamment le couloir vert.
Absolument, ce n'est pas seulement la date, le couloir vert et tous les produits que nous pouvons exporter, mais effectivement, pour la date, bien sûr, on se bat tous les jours pour arranger tous les problèmes de logistique, tous les problèmes et faire apporter les facilitations nécessaires pour nos exportateurs, notamment les problèmes de refroidissement des conteneurs, etc. Il y a beaucoup d'ateliers qui travaillent sur la question, hein, le problème de transport, le problème de la labellisation que nous avons réglé heureusement avec le Codex Alimentarius, d'autres facilitations que nous avons avec le remboursement par exemple des frais de transport. Il y a des opérations d'exportation vers le plus grand marché de fruits et légumes au monde qui s'appelle Rungis, avec un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Et on a réussi à placer nos produits algériens. Lorsque la marchandise arrive là-bas, elle ne passe pas par le phytosanitaire. Elle passe par la répression des fraudes, elle passe par la douane, elle passe par tout un tas d'organismes, mais elle ne passe pas par le phytosanitaire. Ça veut dire que notre produit n'est pas conforme à 50% ou à 100%, il est conforme à 200% par rapport aux exigences phytosanitaires européennes. Outre les marchés européens, américains et asiatiques, le marché africain offre également d'énormes opportunités. Après le Nigeria, il y a quelques semaines, une autre opération d'exportation de 2 tonnes de dattes est prévue dans les prochains jours vers la Mauritanie. Et voilà, c'est donc un reportage de Amal Bouhakba qui s'est intéressé à l'exportation des dattes. Alors il faut dire que l'Algérie est très connue sur le marché mondial à travers les dattes. Bien sûr, parce que c'est un produit phare, vous savez, c'est un produit d'excellence. Là récemment, on a envoyé, d'après ce que les informations dont je dispose, c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'on envoie un produit agroalimentaire, en fin de compte un produit frais, vers le Nigeria. Mmh. Et c'est une première, on est en train d'ouvrir petit à petit les routes vers l'Afrique et cette date-là, elle a été excessivement appréciée. Maintenant, en fin de compte, ce produit proposé dans les palaces du Nigeria. Mmh. Donc, on est en train d'ouvrir petit à petit les routes. Il y a la Mauritanie aussi qui est en train de s'ouvrir à nous. Au début, on avait une certaine appréhension par rapport à l'Afrique. Parce que pour des raisons politiques, pour des raisons de logistique et technique et tout ça. Mais quand on a essayé, Nous avons compris que c'est un marché quand même à haut potentiel. C'est un marché à très très haut potentiel, 2 milliards de personnes, 2 milliards d'habitants pratiquement. Mm-hmm. Vous avez 8000 km de long, 7800 en fin de compte en longueur et pratiquement 7800 km en longueur et pratiquement la même distance en largeur d'est en ouest. Donc il y a une grosse partie de la population en fin de compte en Afrique qui vit au-dessus du niveau de consommation des Européens. Pour vous dire, en fin de compte, pour certains Africains, c'est un pays à très très fort potentiel. Et en plus de ça, l'Algérie est en train de mettre en place la transsaharienne, en fin de compte, de plus de 5000 km entre Alger et Lagos au Nigeria. Donc vous avez les ports qui sont au niveau du Sénégal, au niveau Dakar, vous avez Abidjan, et vous avez Lagos, vous avez la Mauritanie, Nouakchott, tout ça va être desservi en fin de compte par les bateaux algériens et par la route aussi. Donc ça va nous ouvrir d'énormes potentiels, et notamment avec la signature aussi de l'ASLECAF, zone de libre-échange continentale africaine, qui a permis, qui va nous permettre en fin de compte de vendre nos produits, de circuler, la marchandise puisse circuler à travers les 54 pays sans aucune taxe, sans aucun frais. Et donc tout ça, c'est de bonne guerre pour nous. En fin de compte, il y a un immense marché qui s'ouvre à nous. Vous savez, la date algérienne, vous la trouvez des Seychelles jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux îles Maldives, partout vous la trouvez, parce que c'est un produit d'excellence. L'Algérien et l'Algérie ont un produit d'excellence, mais on a un petit défaut, c'est qu'on ne sait pas, on manque un peu de marketing. Il y a certains pays qui ont des produits de moins bonne qualité, qui n'ont pas de goût, mais qui passent leur temps à vous faire. Toute la stratégie de communication, voilà, fait exactement, la différence finalement. Exactement, c'est ce qui nous manque. Il nous manque en fin de compte toutes ces publicités. Il faut mettre de l'argent, il faut investir sur la communication, et c'est ce qui nous manque. Mais on est aussi en train de. Cette année, pour la première fois, on a réussi à rentrer les premiers sur le plus gros marché de fruits et légumes au monde, à savoir Rungis. On est rentré en fin de compte avec des petits pois.
avec une certaine précocité, oui. puisqu'on est rentré les premiers au niveau mondial sur ce marché-là. Et toutes les semaines, on alimente ce marché-là en fruits et légumes. Et donc, j'ai une fierté personnelle d'avoir... Fierté partagée. Merci, c'est très gentil. D'avoir pu pénétrer, en fin de compte, ces marchés-là, le Nigeria, l'Europe. Et maintenant, on est en train de construire, en fin de compte, une route vers la Russie et vers la Grande-Bretagne. J'ai demandé aux autorités britanniques comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut leur proposer nos produits, parce qu'on a vu que cet hiver-là, ils ont eu de très gros problèmes. Le poivron est arrivé pratiquement à être rationné. Les concombres, c'est pareil. La tomate, c'est pareil. Le citron, il a atteint des sommets, à savoir 10 euros. Donc, ils sont en difficulté. On est là pour les aider. Effectivement. Alors là, on parle beaucoup d'exportation de dattes. C'est vraiment le label, hein. C'est vraiment, le fruit emblématique de l'Algérie. Mais sinon, quels sont les autres fruits et légumes que vous mettez sur le marché, que vous proposez au marché international ? Là, on propose en fin de compte tout ce qui est exportable, on le propose. Mmh. Mais après, compte tenu de la logistique dont on dispose, on ne peut pas se permettre de sortir n'importe quoi, n'importe quand. Pourquoi ? Parce que la logistique, elle a un coût. Et deuxièmement, parce que donc on est obligé de sortir que des produits à haute valeur ajoutée. Mm-hmm. Des produits qui sont des produits, on va dire, de luxe, quoi, en fin de compte, qui coûtent assez cher. On ne peut pas se permettre de sortir des produits à faible valeur ajoutée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on se rend compte qu'on commence on commence à nous faire des petits coups bas parce que c'est de bonne guerre, hein, c'est du commerce, hein, c'est comme ça se fait partout dans le monde et ça veut dire qu'on commence à leur faire peur et donc c'est de bonne guerre pour nous. Les produits algériens commencent à faire peur, voilà, exactement, mais j'en ai une fierté parce que j'en ai une fierté que ces produits-là commencent à... On a nos produits, on a des boissons gazeuses. Oui. Vous savez qu'au niveau du marché européen, il y a certaines boissons gazeuses qui rivalisent avec la boisson traditionnelle, oui. sans dire son nom. C'est vrai. Et ils prennent la première place. Le marché français, c'est 5 milliards d'euros de consommation tous les ans. Et le halal, c'est pareil. Nous, en fin de compte, il nous manque juste certaines labellisations du halal et du bio. Parce que tout le monde vous dit que c'est bio, oui. mais bon, j'aimerais le client étranger, il croit que sur papier. Donc, je demande en fin de compte aux autorités compétentes de nous créer un label bio avec et un label halal qui pourra nous aider à vendre nos produits plus chers. Pourquoi ? Parce que quand on dit qu'un produit est halal ou un produit est bio, c'est 20-30% plus cher. Oui. Et donc, c'est 20-30% de rentrée supérieure pour le pays. Voilà. Et ben voilà, on voit que les retombées économiques sont quand même très intéressantes. On vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous, hein, qui se préparent, notamment le CIPSA, notamment Jazz Agro. Donc, exactement. Ce sont des événements qui permettent quand même de vanter, de vendre aussi le produit algérien. Tout pour revenir à la stratégie de communication. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin, monsieur Tofik Hadkhil. Je rappelle, vous êtes le président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Restons toujours dans le domaine de l'agriculture. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du jardin d'essai en compagnie de Mélim Oussaïd, elle qui s'est intéressée à la banque de graines au niveau du jardin. On se retrouve juste après. Considéré comme le joyau d'Alger, le jardin d'essai du Hama offre aux visiteurs un écrin de verdure et de détente. Mais ce que nous ne savons pas toujours, c'est que derrière ce jardin, beaucoup de personnes travaillent d'arrache-pied au maintien et à la prospérité de ce lieu. Nous avons également une autre mission qui est l'éducation et la diffusion de l'information scientifique qui se fait à travers la formation qui est destinée au grand public, aux enfants, mais aussi à un public plus averti, c'est-à-dire les chercheurs et les étudiants universitaires. Dans le cadre de la conservation de la biodiversité et du maintien du patrimoine végétal, le jardin d'essai du Hamma dispose d'une section appelée « section des collections mortes ». Elle a en charge la banque de graines.
C'est un jardin botanique dont la mission principale, c'est la conservation et la collecte des plantes. Cette conservation et collecte des plantes, elle se fait à travers des collections vivantes, c'est-à-dire on ramène le pied-mère, ou aussi à travers une collection des graines dans une banque de semences. Cette activité, on y attache beaucoup d'importance car c'est une activité scientifique pointue qui nous permet de conserver le patrimoine des plantes présentes au niveau du jardin d'essai, mais également le patrimoine génétique des plantes algériennes que nous collectons au niveau des aires protégées dans tout le territoire national. C'est quoi la banque de graines? C'est simplement un lieu protégé où se fait la conservation ex situ de la biodiversité. C'est quoi la conservation ex situ? C'est un type de conservation qui consiste à conserver l'espèce végétale en dehors de son habitat naturel. Dans ce cas-là, on parle de conservation de graines ou de semences au niveau des chambres froides qu'on appelle des banques de graines. Les graines doivent être récoltées sur des sujets robustes et sains, dans des conditions climatiques bien précises, et seulement 30% des graines sont prélevées sur chaque sujet pour ne pas perturber le cycle végétal. Donc, après l'étape, la première étape de la récolte de graines, vient l'étape du nettoyage et séchage de graines. Comme vous voyez ici, nous disposons d'une équipe qui se charge du nettoyage de graines. Il faut que la graine elle soit bien nettoyée et bien séchée afin de conserver sa viabilité le plus longtemps possible. Donc là, l'équipe des récolteurs vont veiller à nettoyer et éliminer tout matériel animal ou végétal indésirable qui se présente sur la graine, donc pour justement éviter tout type de contamination par des agents pathogènes. Vient la dernière étape qui est le conditionnement et le stockage au niveau de la banque de graines. Donc cette étape vise en fait à introduire les semences dans un contenant scellé hermétiquement. D'accord ? Pour les isoler afin d'éviter leur contamination et afin de maintenir un niveau d'humidité et de température constant. Et chaque contenant doit être étiqueté, donc accompagné d'une étiquette qui doit avoir le nom de l'espèce, le nom scientifique et la famille de l'espèce. Voilà, c'était donc un reportage de Meryem Oussaïd qui s'est intéressée à la banque de graines au niveau du jardin d'essai. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'aquaculture en compagnie de notre invité, Dr Hichem Lourguibi. Bonjour, bienvenue bonjour. À vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors, vous êtes maître de conférence au niveau de l'Institut national des sciences de la mer. Oui, c'est l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Voilà, c'est tellement long que parfois on écorche. Alors, aujourd'hui, il est question donc qu'on parle d'aquaculture. Alors, il faut dire que ces dernières années, beaucoup de choses se font en faveur de l'aquaculture, en faveur de, finalement, la promotion de cette discipline. Oui, en effet, l'aquaculture contribue efficacement à la sécurité alimentaire. L'aquaculture, d'après les experts internationaux, donc c'est le domaine qui connaît le plus de croissance parmi tous les élevages animaliers. À titre d'exemple, à la suite de la pandémie donc du Covid mondial, beaucoup d'élevages animaliers, beaucoup de filières de production ont connu un arrêt, ont connu des perturbations. Au contraire, l'aquaculture a connu une progression, a connu un développement. Comment on peut expliquer ? C'est tellement donc elle est importante. Elle s'est passée donc en mer. Cette filière n'a pas été perturbée. D'accord. Et les États donnent beaucoup d'importance au développement de l'aquaculture. La production, donc juste après la pandémie en 2020, la production aquacole mondiale a encore progressé et a dépassé les 122 millions de tonnes. La somme que représentait cette production au niveau mondial dépassait les 280 milliards de dollars. Et là, donc, ça montre l'importance de l'aquaculture au niveau mondial. À partir des années 90 jusqu'à les années 2020, la production mondiale aquacole a multiplié 600 fois.
C'est énorme, oui. c'est vertigineux, j'ai envie de dire, comme statistique, mais qu'en est-il finalement de la promotion de cette discipline en Algérie? Ça fait plusieurs années que cette discipline connaît un encouragement, donc en matière d'investissement, en matière de recherche, pour son développement. On voit de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent à la filière aquacole et qui s'installent et qui mettent leur ferme aquacole essentiellement sous forme de cage flottante en mer, sous forme de filière pour tout ce qui est moules, autres bivalves, et aussi à l'intérieur du pays pour les poissons d'eau douce. Voilà, effectivement. Donc on a vu ça, effectivement. On a eu quand même l'occasion de faire quelques reportages sur ce genre d'investissement. Donc j'ai envie de dire, pour le consommateur, il y a quand même un peu plus d'accessibilité à ce genre de produits. Le consommateur aujourd'hui, il le sent à travers, par exemple, durant le mois de Ramadan dernièrement, il a vu à travers plusieurs localités du pays, même à l'intérieur du pays, un produit aquacole disponible. Et parfois même lorsque les conditions météorologiques n'étaient pas favorables à la pêche. Et d'ailleurs, c'est là où l'aquaculture donc connaît son importance, lorsque, par exemple, la production halieutique, donc le produit fourni par l'activité de la pêche, ne sera pas possible, donc le marché ne sera pas approvisionné, que ce soit pour des conditions météorologiques ou autres conditions. C'est ce qui rend un petit peu le produit cher, parfois inaccessible sur le plan économique. Et l'aquaculture sera là donc pour proposer son produit, parce que le poisson, il est dans les cages, il attend qu'on prélève. Ce n'est pas comme la pêche, on le pêche et après on le vend. Là, on peut le vendre tant qu'on veut, dès qu'il y a la demande pour le vendre. Alors, il y a d'autres investissements, j'ai envie de dire, il y a d'autres innovations sur lesquelles vous êtes en train de travailler en ce moment, notamment la production d'alvin, l'élevage. Oui, la production de l'alvin dans tout élevage animalier est très important. Donc, en élevage animalier, donc, on fait grandir des petits, qu'il s'agit d'animaux terrestres ou d'animaux donc, aquatiques. Et en aquaculture, c'est la même chose. Le point de départ de l'aquaculture, c'est des petits alvins qu'on fait grandir. Donc, actuellement, pour la filière donc, marine, les alvins sont importés donc, de l'étranger. Et là, nous avons voulu innover au niveau de l'ENSS MAL, l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Déjà, l'innovation, elle est dans l'idée. C'est de s'intéresser à un produit qui n'est pas élevé en Algérie actuellement. Parce qu'innovation, on voulait dire à nos étudiants que l'innovation n'est pas uniquement technologique. Oui. L'innovation, elle peut être commerciale, elle peut prendre plusieurs formes. C'est vrai. Et l'une des meilleures innovations qui marche, c'est trouver un marché, c'est créer un marché qui n'existe pas. Et là, nous avons voulu innover en se dirigeant vers une espèce qui actuellement, c'est une nouvelle en Algérie, qui est donc la sèche, connue par le sépia. Et nous avons donc mené des expériences et innové sur une méthode d'obtention des alvins en captivité en eau complètement recyclée au niveau de l'ENSMAL. Et ben justement, alors on va voir tout ça en image puisque notre ami Amel Isselidé s'est intéressé à la production, à l'élevage donc d'alvins de sèche, c'est ça. Donc je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Un projet innovant et prometteur. La reproduction contrôlée de la sèche en captivité, initiée par un groupe d'étudiants de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, une méthode qui permet d'obtenir un produit de qualité supérieure tout en minimisant les coûts. On a travaillé sur l'élevage de la sèche commune, c'est la Sepia officinalis. On a ramené des géniteurs. Après, on les avait préparés pour l'accouplement. Après avoir des œufs, voilà, sur les nids qu'on a déjà préparés, on a attendu l'éclosion de ces œufs à peu près un mois à 40 jours. Après les avoir, on a fait le grossissement, l'alimentation de ces géniteurs, petits. On les avait alimentés par des sorelles d'aliments vivants généralement pour avoir un bon résultat et une bonne qualité de poisson. Voilà. Le projet est actuellement en phase de développement. Ses initiateurs cherchent des partenaires pour financer son expansion. Les défis majeurs de cette réalisation sont premièrement l'obtention du géniteur du milieu naturel qui sont en stade de maturation finale et qui sont prêtes pour la reproduction et prêtes pour la ponte. Deuxièmement, faire adapter ces géniteurs aux conditions de captivité dans des bassins en milieu complètement recyclé. Et troisièmement, le faire accepter une alimentation naturelle qu'on leur donnait. Et quatrièmement,
la réussite de la reproduction et donner les conditions nécessaires à l'éclosion pour la réussite de l'éclosion et l'apparition des alevins. On compte donc approfondir nos recherches sur cet animal et transmettre nos connaissances, les connaissances qu'on a obtenues, aux partenaires et aux opérateurs socio-économiques. Un exemple d'innovation et de créativité, le projet d'élevage contrôlé de la sèche, développé par ce groupe d'étudiants universitaires, représente une opportunité unique de contribuer à l'expansion de la filière aquacole tout en préservant l'environnement et en garantissant un produit de qualité. Voilà, c'est donc un reportage de Amal Esselédé qui, elle, s'est déplacée donc au niveau de l'école supérieure afin de voir un petit peu comment ça se passe à votre niveau. Donc là, on a vu comment ça se passe au niveau des laboratoires, mais sinon, concrètement, sur terrain, quelles sont les conditions favorables justement à la réussite de telle production, de tel élevage? Oui, donc à titre expérimental, donc au niveau de l'espace d'innovation réservé à l'aquaculture au niveau de l'école, donc nous avons mis un protocole pour la réussite de l'élevage. Comme nous l'avons dit, donc, ramener ces géniteurs du milieu naturel et les faire accepter les conditions de captivité n'est pas une chose simple, n'est pas une chose facile. Par la suite, le faire accepter une alimentation naturelle. On voulait donc aussi donc, améliorer le coût de revient de la production de la sèche en lui donnant donc, un aliment naturel qui a un faible coût, qui n'a pas un coût élevé donc, sur le marché. Et par la suite, créer les conditions optimales pour que l'animal puisse se reproduire en captivité. Et là, ce n'est pas fini. Dès qu'on obtient les œufs, il y a un autre défi à relever, celui de créer les conditions favorables pour l'éclosion. Parce que les conditions pour la reproduction et pour l'élevage et pour l'éclosion sont des conditions différentes. Quand on leur donne ces conditions après les recherches qu'on mène au niveau de l'école, les alevins vont apparaître et on les fait grandir. Alors, sur le terrain, donc, comment vous comptez transplanter cette expérience sur terrain, finalement, plus tard? Cette première innovation donc, a été faite dans le cadre d'encadrement de quatre étudiants qui ont préparé donc, leur diplôme d'ingénierat en aquaculture, donc deux garçons et deux filles. Et on compte donc se rapprocher des partenaires économiques et pour développer des techniques de reproduction d'autres espèces qui intéresseraient éventuellement donc les opérateurs économiques, ceux qui travaillent en aquaculture marine en Algérie. Voilà, donc là, on parle encore une fois d'un rapprochement entre l'université et le monde économique. Donc là, c'est inévitable finalement. Oui, il faut là qu'on fasse une recherche utile. Oui. Une recherche utile pour le secteur économique. Donc pour que le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique soit au service du développement économique et du développement du pays. Voilà, alors là, deux retombées essentielles de cette innovation, d'abord des retombées environnementales et des retombées économiques. Commençons par les retombées environnementales. Oui, donc en faisant cette expérience donc au milieu complètement contrôlé, loin de la mer, donc l'école se trouve à Dal Ibrahim, à 20 km de la mer, nous avons voulu montrer aux opérateurs économiques que si, au niveau de l'espace d'innovation de l'école, qui se trouve à 20 km de la mer, nous avons réussi cette opération de reproduction d'animaux marins, donc ceux qui se trouvent près de la mer, ceux qui ont des exploitations, des complexes aquacoles près de la mer, sont prioritaires pour le faire. Très bien. En matière donc de conditions environnementales, le choix du site est très important. Ça, on le souligne. Le choix du site pour réussir l'élevage est très important. Donc, il y a des conditions techniques. Ah, justement, c'est quoi les conditions? Donc, déjà, s'assurer de la salubrité de l'eau. Oui. Donc, de préférence, s'éloigner des autres activités qui existent sur site pour éviter toute source de conflit d'usage. D'accord. Donc, la mer, donc, les eaux sous juridiction nationale sont importantes en Algérie. Donc, la superficie est très importante. Donc, on va de préférence là où les autres activités n'existent pas. Pour exercer l'activité aquacole en toute sécurité, pour ne pas déranger les autres et pour ne pas être dérangé par les autres activités. Surtout. Et puis, il faut dire que nous sommes chanceux hein, sur le plan espace, sur le plan superficie. Oui, il y a assez d'espace et il y a assez d'eau qui sont de très, très bonne qualité, très favorable à l'élevage d'organismes marins. Et on compte que l'aquaculture, on espère, se développera davantage et contribuera efficacement à l'économie nationale et à la sécurité alimentaire en Algérie. Alors, on rappelle que ce sont des eaux recyclées que vous avez utilisées dans votre expérimentation. Oui, comme on était loin de la mer, on n'avait pas le choix que d'opter vers une eau recyclée. Et là, nous avons aussi innové vers un système de circulation que nous avons conçu sur place au niveau de l'espace d'innovation aquacole de l'école. Et là, donc, le rendement de traitement d'eau et de recirculation de l'eau était bon. Et la preuve était que les sèches se portaient bien
et leurs petits, entre guillemets, enfants se portaient aussi bien. Ils ont accepté cette eau. Et c'était aussi une deuxième innovation. Voilà, donc finalement, c'est vraiment au service de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de stress hydrique. Donc là, on ne va pas utiliser finalement les eaux de barrage. Donc on peut directement aller vers des eaux recyclées, puisque l'expérimentation a quand même apporté ces résultats. Oui, le système de recirculation de l'eau fait économiser beaucoup d'eau. Mm-hmm. Déjà, l'aquaculture, c'est une activité utilisatrice d'eau et non consommatrice d'eau. Oui. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on fait de l'aquaculture, on consomme énormément d'eau. En réalité, l'eau sert de support pour le poisson. Donc on utilise une certaine quantité d'eau, mais cette même quantité d'eau est réutilisée, traitée et réutilisée. Donc il n'y a pas de gaspillage en aquaculture. Voilà, donc là c'est un petit peu les retombées environnementales, mais sinon d'autres retombées économiques très très intéressantes pour le pays. Les retombées économiques sont les plus importantes, sont les plus recherchées. Actuellement, donc, les opérateurs économiques, ceux qui font l'élevage d'organismes marins, donc, importent leurs alevins de l'étranger, oui, des pays européens. À travers cette innovation que nous avons réalisée au niveau de l'école, nous souhaitons qu'il y aurait assez donc, d'écloseries pour la production d'alvin localement. Parce que l'importation d'alvin, déjà l'alvin, lorsqu'on l'importe d'un autre pays, il a un coût oui, en devise. Deuxièmement, lorsqu'on le ramène, à travers la distance, à travers les conditions météorologiques, il peut être affaibli. Lorsqu'il est affaibli, il peut être vulnérable et tomber facilement malade. Mmh. Donc l'avantage de production d'alvin localement en Algérie va contribuer efficacement et grandement au développement de l'aquaculture. Voilà, donc on voit quand même que ça coûte cher, hein, finalement, l'importation. Oui, et la réalisation que nous avons réalisée a montré que le coût était très, très bas. Mm-hmm. Nous avons étudié un aliment disponible, naturel, à faible coût, et le fait d'utiliser un aliment naturel a donné un meilleur rendement de croissance, mm-hmm, et les avins étaient produits localement à partir de géniteurs pêchés du milieu naturel et qui se trouvaient localement en Algérie. Donc le coût de production était vraiment, vraiment bas en comparaison avec le coût de production des alvins importés. Très bien. Alors, quels sont un petit peu vos objectifs ou vos attentes finalement de cette expérimentation en compagnie des étudiants? Oui. Avec le groupe d'étudiants que nous sommes en train d'encadrer, nous souhaitons donc s'intéresser à d'autres espèces, mm-hmm, qui ne sont pas encore élevées en Algérie pour les proposer donc aux opérateurs économiques. Et nous espérons que d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, donc, on réalisera Inch'Allah d'autres exploits et d'autres reproductions d'autres animaux aquatiques. Inch'Allah, en tout cas, on espère beaucoup de succès pour tout ce que vous allez entreprendre au niveau universitaire et surtout les opérateurs économiques qui nous regardent s'intéressent un peu à toutes ces innovations. C'est ce qui est c'est un petit peu l'objectif principal, hein, n'est-ce oui, pas? Oui, la porte oui, de l'école est ouverte. On fait énormément de conventions avec les opérateurs économiques pour justement créer ce rapprochement, pour créer ce climat donc de coopération et de collaboration. Voilà, en tout cas, on espère beaucoup de succès. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Dr Hichem Lourghioui, vous êtes maître de conférence en aquaculture. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Laïcil Meké, on continue. Nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée. Avant cela, nous allons aller du côté de Touat en compagnie de Fella Bennour, elle qui nous fait découvrir les fougaras de cette région. Et on se retrouve juste après. Connu dans le sud algérien, plus particulièrement dans la région du Touet, dans la wilaya d'Adrar, la fougara ou la source d'eau est un système d'irrigation ancestral, unique, complexe et ingénieux qui permet de quantifier l'eau nécessaire pour l'agriculture et l'oasis de la région. Il existe presque 1000 puits ici, sur une distance de 6 kilomètres. Toute l'eau est acheminée vers un bassin principal, source, qu'on appelle Qasriya, à partir de laquelle l'eau est distribuée. Mais la fougara est avant tout un système de partage de l'eau répandu dans l'Ersour, sous la responsabilité des mesureurs. La distribution de l'eau de la fougara et la quantification se fait par rapport aux personnes concernées, chacun sa ration. Quand quelqu'un manque d'eau, on mesure avec cet instrument qui est très précis, c'est mathématique, et chacun prend sa part en prenant compte ses besoins. ونديروا التقسيم ونعطوه حقه على حسب ما يرى. الفقارة تعتبر
La Fougara est une ressource économique, culturelle et touristique sur laquelle se base la vie des habitants de la région qui l'utilisent pour irriguer leurs plantations. Ici, par exemple, plus de 5000 palmiers sont irrigués grâce à la Fougara. Ce registre, on l'appelle ZMEM. Tout est archivé sur ce document, notamment tous les propriétaires de la Fougara, depuis leur arrière-grand-père jusqu'aux héritiers. Les quantités d'eau distribuées sont également enregistrées. Ce système traditionnel survit depuis des siècles. Malheureusement, sa survie s'amenuise depuis quelques années, d'où l'urgence d'un plan de sauvegarde. L'État a ouvert un centre de formation avec cette spécialité. Malheureusement, nos jeunes ne s'intéressent pas à ça. Je leur lance un appel afin de préserver leur héritage. Et de retour sur le plateau, cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux enfants à travers les activités d'une association de parents d'élèves qui nous vient de Tizi Ouzou, représentée par son premier vice-président, à savoir M. Mazouk Achour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous. Bonjour à votre honorable assistance qui sont les téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. C'est un honneur d'être parmi vous. Marhaba bikoum. Merci madame. Alors, Monsieur Mazouk, vous êtes le premier vice-président donc, de l'association des parents d'élèves Les Bourgeons, c'est ça? Oui, oui. Voilà, alors parlez-nous un petit peu de votre association, votre engagement en tant qu'association de parents d'élèves. D'abord, au nom de mes camarades de l'association, on vous dit merci. Notre objectif d'abord, c'est de créer un environnement pour nos enfants au sein de l'établissement, au sein de l'école. On a commencé par l'embellissement de l'établissement. J'espère que vous allez diffuser des photos. On a transformé notre établissement à un établissement moderne. Ça, c'est le premier objectif. Mais voilà, pour favoriser un environnement pour un meilleur apprentissage pour les enfants. Un cadre. C'est facilité pour les enseignants. Là, on a apporté un plus, dans notre façon de concevoir le mouvement associatif. Mm-hmm. Pour nous, c'est ça qu'on veut partager à travers le TVK, Canal Algérie. On veut partager avec nos concitoyens, dire qu'on peut, avec peu de moyens, l'essentiel, il y aura de l'union, il y aura de la volonté. D'ailleurs, en dehors de l'écran, je vous disais que,
qu'on a retenu la leçon de Colibri. La leçon, voilà, c'est on peut donner des choses. On peut donner des choses. Chacun donne un petit peu. Exactement. Et chacun fait son travail, fait son devoir. Aujourd'hui, moi, je suis juste la façade. Il y avait un travail de fourmi effectué par nos camarades. Justement, là, on voit une image d'avant. D'avant, l'école, oui. Ça c'était avant, on va avoir une autre image après. Après. Eh ben, transformation radicale. Hein. Bravo. Transformation radicale sur tous les plans, oui. Dans le fond et dans la forme, ça, mm-hmm. Même dans le fond. C'est pour dire à travers, merci d'abord d'avoir diffusé cette photo, et il est essentiel pour nous, c'est un message qu'on veut transmettre aux autres établissements, oui. Aux parents, aux saints. D'ailleurs, c'est pas nous qui, c'est pas, moi je suis juste la façade. S'il y a des comités de village, oui. Il y a la PC, il y a l'académie, ça veut dire c'est tout le monde, qu'ils ont rajouté leur petite pierre à cet édifice. On peut, j'insiste, que tout le monde pourra transformer son établissement. Mieux que ça peut-être, oui. Mieux que ça, ils peuvent transformer. C'est juste... Le plus important, c'est d'entreprendre l'action. Exactement, voilà. La volonté, avoir... Voilà. Mais sinon, M. Mazouk, il faut dire qu'au niveau de l'association, vous faites beaucoup d'activités. Donc, vous êtes vraiment au service de l'enfant tout au long de l'année. Et vous venez au 1er juin, donc c'est pour bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, c'est cette journée-là que vous allez un petit peu, on va dire, faire un bilan de vos activités de l'année, parce que vous êtes vraiment en train de travailler tout au long de l'année. On voit de très belles images qui sont en train de défiler sur vos actions sur terrain. Alors justement, quelles sont les autres actions que vous entreprenez on a déjà célébré chaque action. D'abord, on veut, à travers nos actions, se décomplexer d'abord, nous-mêmes, tant que parents, tant que citoyens, et aussi inculquer d'autres idées à nos enfants. C'est s'inscrire dans l'universalité. On a célébré la journée internationale du livre, on a célébré la journée internationale des mathématiques, on vient de célébrer la journée de l'enfance, on va la célébrer bientôt. Et aussi le retour aux sources. La première action, c'est on a visité un village de Kabylie, là où ils ont rédigé le Iridi Moula, là où ils ont rédigé nos vaillants martyrs, là où ils ont rédigé la plateforme de la déclaration de 1er novembre. Mm-hmm. C'est-à-dire on a commencé par l'organisation de cette action, mais le message qu'on veut transmettre, c'est de dire à nos enfants, les choses qui se font à New York, les choses qui se font à Singapour, les choses qui se font un peu dans le monde, on peut les faire chez nous. Oui. On a une cervelle, on réfléchit, on peut donner, on peut... C'est l'universalité, c'est se décomplexer d'abord. Mm. On peut faire des choses et on est en mesure. On est en mesure de faire des belles choses. Voilà, et d'ailleurs on le voit à travers les images qui sont en train de défouiller, parce que vous nous avez ramené de très très belles photos sur vos actions. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette journée internationale des mathématiques. Alors vous avez organisé un concours autour de cette, oui, oui. Autour de cette journée? Bien sûr, c'est la deuxième année qu'on, oui. C'est la deuxième année qu'on organise. La journée, ça veut dire... Les mathématiques, c'est la matrice, il faut les maîtriser. Oui. C'est la vie, c'est les maths. On a Tarwa, Sotas, c'est élémentaire. C'est avoir un esprit cartésien. C'est inculquer à travers nos enfants, c'est inculquer à nous-mêmes l'esprit cartésien. C'est le discours de la méthode, c'est méthodique, être méthodique. Écoutez, votre honorable chaîne, on veut transmettre à nos concitoyens qu'on peut faire des belles choses. On peut les faire. On peut les faire. D'ailleurs, si on revient à ce concours des mathématiques et au concours du livre, on veut apprendre à lire aussi. Mm-hmm. Apprendre à lire. On renouer avec le livre parce que nos enfants, ils sont guettés par beaucoup de fléaux. Oui. On est interpellé. Il y a beaucoup de fléaux qui guettent nos enfants. Alors, on doit se solidariser. C'est ça l'objectif de notre venue vers vous. Et merci mille fois de nous avoir ouvert vos portes. Vous nous avez ouvert d'autres portes. On a aussi célébré la journée de l'arbre. Oui. C'est complémentaire, avec peu de moyens.
D'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui nous... parce qu'on a des donateurs, c'est de tout le monde. Les parents ont travaillé pour l'embellissement de l'école. On travaillait pendant l'été jusqu'à 11h de soir, jusqu'à 1h du mat. Mais le résultat est là, tout magnifique. Et après, aussi, on voit l'épanouissement des enfants, finalement. Et aussi on a quelque part refait l'expérience au niveau de Suyam, au Calais, Ahmed, au niveau de la région. Le mois de novembre, il y avait un farwa, mais il y a des équipes qui travaillent jusqu'à 1h du matin. Ils travaillent. Ça veut dire quelqu'un pourra donner 1 heure de son temps, quelqu'un pourra se donner 1000 dinars. Il y en a ceux qui nous ont donné 10 000 dinars. Ça veut dire chacun de nous pourra selon apporter. Ses moyens. Et aussi, là, il y a des gens qui. Comment dirais-je ? Ça veut dire, même avec un mot doux, c'est une contribution. C'est ça qu'on veut. Et ben, d'ailleurs, à l'occasion de la journée, on organise le sport, on organise deux journées d'exposition, beaucoup de thématiques qu'on va évoquer. Oui. Par exemple, le sport... L'environnement, la direction de l'environnement sera parmi nous. Le CNL, le commissariat national... Là, vous parlez du 1er juin prochain, Inch'Allah. Il y aura le commissariat national du littoral, il y aura certainement la culture. Bien sûr, l'activité, elle est organisée avec l'aide de la PIWI, l'aide morale. Là, on ne cherche pas uniquement l'aide matérielle, c'est l'aide morale, c'est le soutien moral, l'aide de... Monsieur le Papi, oui, Monsieur le Papi, c'est de notre commune Salah Belhassen, Monsieur Farid Rabia de la PIWI aussi, Monsieur Lawazi de l'Académie, Monsieur Hamid aussi, j'espère que vous serez parmi nous pour voir, on prépare un décor extraordinaire pour. C'est pas l'objectif de célébrer, c'est les objectifs qu'on veut atteindre à travers la célébration. C'est ça notre... On veut atteindre des objectifs parce que... C'est quoi vos objectifs que vous voulez atteindre à travers cette célébration ? Écoutez, dire d'abord à nos enfants, c'est avec le savoir. D'ailleurs, on a rédigé une chorale, ça veut dire on a reformulé le débat, ça veut dire on dit à nos enfants, c'est avec le savoir qu'on peut devenir un pays développé. On aura notre mot à dire, c'est les futures générations qui auront leur mot à dire dans ce monde qui bouge, dans ce monde qui avance. Oui. Alors nos enfants, c'est ça, c'est parce que c'est eux le fer de lance. Effectivement. Fer de lance, ils sont petits, on peut leur inculquer des idées, je dirais un peu nouvelles, c'est-à-dire leur dire, voilà, c'est uniquement... Surtout des valeurs. Des valeurs. Surtout des valeurs, effectivement. En tout cas, on espère beaucoup, beaucoup de belles continuations pour votre association, pour tout ce que vous allez entreprendre. Rendez-vous pris pour le 1er juin ? On espère qu'on sera honoré par votre présence. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Et bien, sachez-vous bien que notre présence ici, elle est vraiment bénéfique pour notre cause. Et bénéfique pour nos enfants. Et puis votre présence aussi, elle peut donner d'autres idées à d'autres associations, à d'autres écoles. Bien. C'est ce qu'on espère. Le toujours souhait... propager ce qui est bon pour le développement de nos enfants. Et aussi, mon souhait, c'est dans chaque école, il y aura une association des parents d'élèves. Dans chaque quartier, il y aura une association de quartier. Oui. Dans chaque village, il y aura un comité de village. Et on peut faire des belles choses. J'espère qu'on est à la hauteur de notre... Certainement. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Achoul Merzouk. Je rappelle, vous êtes le premier vice-président de l'association des parents d'élèves, les Bourgeons. Merci beaucoup et très très belle continuation à votre association. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Mais avant de se quitter, je tenais juste à ce que notre ami et collègue Mahrez présente ses voeux à sa maman, donc au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie et de la Régie 7. On vous dit joyeux anniversaire à la maman de Mahrez.
Namekia. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché le nom cette fois-ci. Alors, joyeux anniversaire à la maman de Bahez Romekia aussi. Notre amie, notre caméra-woman, notre cadreuse, Sherifa, présente ses voeux à son neveu, Sherifa Adem, qui fête ses 3 ans. Aujourd'hui, longue vie à vous tous les deux et beaucoup, beaucoup de belles choses. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous avoir accompagné tout au long du week-end. Je vous retrouve le week-end prochain, Inch'Allah. Sinon, demain, vous serez en compagnie de Radia Boulma Ali. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Au revoir. Madame, merci. Avec plaisir. Mademoiselle.